reborn. Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, Dieu merci. Il y a un enfant qui a trouvé un serpent, mais il ne savait pas que le serpent allait le tuer. Ouais, son serpent de cycle l'a tué. Regardez ça. Regardez bien. Et les enfants d'aujourd'hui. Mais Betty a trouvé le serpent. Genre un serpent. Ce serpent, c'est un serpent vraiment très venimeux. Et quand elle a trouvé ses parents lui ont dit, ah écoute, ce serpent est très dangereux, il faut le laisser partir. Mais lui dit non, je vais utiliser le serpent pour faire du business, pour faire des spectacles. Mais son papa lui a dit, écoute mon fils, laisse le serpent partir. Mais il n'a pas écouté. Regardez, il a utilisé le serpent, fait des démonstrations un peu partout. Dans divers lieux. Maintenant, on l'a retrouvé mort un bon matin. Aux dernières nouvelles, on lui dit que c'est son serpent qui l'a tué. Ah! Incroyable, mais vrai. Attendez, vous allez voir la vidéo. Déjà, si vous avez peur du serpent, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. On sait jamais. Maintenant, regardez ça. Comme vous voyez ici, le petit est là, en train de faire des démonstrations et tout ça. Et certaines personnes viennent le filmer, lui poser des questions, comment ça se passe, comment il a tapé le serpent. Et pour lui, c'est le show. Cette vidéo que vous regardez, avec ce petit garçon en train d'attraper le serpent. Je suis la personne qui a partagé cette vidéo sur Internet. J'ai fait une interview à ce petit. Et je lui demande pourquoi est-ce qu'il a ce serpent. Et je lui ai fait cette interview juste hier. Le gars a fait cette interview là. Juste hier. Hier là. Hey! Genre il a attrapé le serpent dans la pousse et voici c'est pareil avec ça un peu partout. Et lui il sait que là-bas on ne joue pas avec les serpents comme ça. Vous voyez à propos de la traduction. Apparemment, les gens, à ce moment où les gens disent qu'il est malade maintenant. Et les gens ont commencé à lui dire d'arrêter de jouer avec le serpent comme ça. Même son père. On ne peut pas dire arrête de faire cela, arrête de jouer avec. Et son père lui dit, écoute, je suis ton père, je ne peux pas te permettre de faire des choses pareilles. Débarrasse-toi du serpent. Et son papa lui dit, s'il te plaît mon fils, arrête de faire cela, arrête de jouer avec ce serpent, il faut le laisser partir. Et il a refusé d'écouter son papa, et il a continué à faire ce qu'il faisait de faire ce serpent. Genre, fait des prestations, du spectacle avec le serpent. Et il allait d'endroit en endroit.
destination there where I went and interviewed him. As you can see, the interview video between I and him, and I asked him so many questions that people was not able to give an audience so that the viewers and the listeners can understand what was going on actually. I asked him a few questions. How did you got a snake? He himself told me that he has meals that he can use by arresting snakes around the world. Et on lui demande comment est-ce qu'il a pu attraper les serpents. Il dit que il a un truc qu'il utilise pour maîtriser les serpents partout dans le monde. This snake will do no harm unto him. He go ahead and extend to hand the snake over to me, say that I should hold on to the snake. I said, no, I am not like you. Et il demande à ce gars qui est là, là. Et il dit, écoute, est-ce que tu peux attraper le serpent? Il dit, non, je ne veux pas attraper le serpent parce que je ne suis pas comme toi. Tu vois, je ne suis pas comme toi, je ne peux pas attraper le serpent. No leaves or meals to hold on to the snake like the way you did. So just hold on to it. Let me just do your interview. And definitely, he asked me that he's going to drop it down so that we can see how we're going to demonstrate with the snake. And hey, from the snake down, comment il mettait le serpent. Do a little demonstration. After the demonstration, right on the spot, the snake gave him a bite on his hand and stick himself on his hand. And definitely, he took the snake off and arrested the snake there and took the snake and gone. On his way going, nothing happened with him at that spot. But he left and went back and took the snake again to the same place where he captured the snake. He left and came home and lying down at the room without informing his father that the snake bites him. After a couple of minutes, and he began to complain that he is feeling cold. In the absence of the knowledge of the father that the snake had given him a bite, and the father took him to the hospital. Before getting to the hospital, things was beyond control. After arriving to the hospital, doctor had no means to handle this issue. All of a sudden, a few what could be put in, his death reports have been pronounced. But, le serpent l'a piqué où son papa l'a amené à l'hôpital. Il est mort avant même d'y arriver. Et il est mort avant d'y arriver. Alors qu'il jouait avec le serpent juste comme ça, regardez. Juste comme ça. Le serpent l'a déconseillé d'utiliser le serpent. Mais lui, il se jouait le dieu. Il croyait qu'il était fort. Il croyait qu'il était vraiment puissant, regardez ce qu'il faisait avec le serpent, il se disait qu'il avait la maîtrise, il avait le pouvoir, il pensait qu'il avait le pouvoir vraiment. Et le résultat, vous le voyez le résultat? Regardez le résultat, il est mort, il est mort. Mettez vous l'en parler dans une date et puis allez. Don't think you are the body now, Naili don't sue. So, at any time from this moment now, they go get for me. So do that, so now all the watch around the world, viewers around the world, and the web body this and the body this. We extend for share this message to you now, so that we now will know pretty happy and you will know. Et les mêmes personnes qui l'ont interviewé, là sont les mêmes personnes encore qui viennent pour dire, regardez, quand on a fait la vidéo, on leur a dit de vraiment arrêter ça, il ne l'a pas écouté, regardez le résultat. Et regardez comment ils vont en parler. Et ils vont en parler comme ça. C'est une nature juste comme ça. Et aller le mettre où? Dans le taureau. Yeah. Vraiment. Regardez l'homme. Regardez. Regardez. Hé 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 hé. Quand Dieu dit enfant obéissez à vos parents là. Les gens qui pensent que c'est de la blague. Quand Dieu dit enfant, obéissez à vos parents.
Si vous obéissez à vos parents, vous allez avoir longue vie. Ça, c'est un exemple. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon papier, mon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.